Pérez Santana, c'est solution, quel que soit problème mystique ou gagné. Relève ou bien écrit dans 829 283 6044. Les trouvelles, kilomètre 13, autopiste à droite en face La Serena, Mano Guayabo. Pérez Santana travaille en direct pour les gens qui sont dans la diaspora. Bonjour, bonsoir pour tous les amis compatriotes, toutes fanatiques qui suivent tout partout dans le monde long. Je dis à ce mardi 19 et novembre. C'est toujours merci, John Amico. Et moi, pour te pour nous quelques parmi nouvelles qui ont dominé l'actualité. Viens regarder ensemble avec moi vidéo ça. Ça passait dimanche là. Et à 4 dans l'après-midi dans l'hôpital Dario Contreras, Santo Domingo Este. Et ces gens de Haïtiens, ça a mettait Haïtiens en courir en République Dominicaine. Même gens ça a passé et Constanza. Et côté pagon, green Haïtien, pendant ma parole ensemble avec nous, la pagon, green Haïtien qui était Constanza, Dominique, qui mettait différent dans tout ça, tout petit caille que Mounio était la donne, Dominique qui a crasé tout, mettait tout bagaille de bas au diffé. Pita, il m'a parlé et m'a vu avec nous, c'est ça, et pour montrer nous toute vidéo. Mais regardez ensemble avec moi vidéo ça mes amis et les filles m'a venir dans nos détails sur ça qui passé là. Ouais haïtien ça yo fuck la police en République Dominicaine qui t'a arrêté ni Wilson Gabriel avec toute madame ni pour ça yo fait dans l'hôpital Dario Contreras. Ce type de haïtien ça yo cap mettait haïtien qui n'a pas ici de ben dans courir dans gros problème. Vinn regarder ensemble avec moi et puis après m'a venir dire nous qui ça passé même en chef. Vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí. Vamos aquí. Ahí, ¿qué vamos a hacer? No. Toma, con la pistola. Mira, 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 cachazo, coño, coño. Jacques, nous se tape garder sous écran là, eh bien c'est yon Valpa et yon Sanguinet, nous te capable même dire yon même et Wilson Gabriel 28 l'année lui même ensemble avec madame ni. T'assemblé tout ça et c'est nos goumel souti parce que monsieur arrivé dans l'hôpital là, l'hôpital ça c'est monde qui blessé, monde qui fait accident et pied cassé, main cassé, ce type et de patients ça et mais que l'hôpital Dario Contreras lui même et lui recevoir. Et mais dimanche là il était 4 dans l'après-midi, Wilson arrivé dans l'hôpital là ensemble avec une convulsion et monsieur pas bon parce que monsieur sorti dans bataille, monsieur blessé. Et bien et docteur qui prend soin monsieur, yo fin prend soin et puis pendant yo pral monter ensemble avec lui. Et dans le deuxième étage, côté au pral, tendon, monsieur qui coupe, parce que monsieur blessé dans la main droite, tendon qui coupe, le docteur pral réparer tendon, ça y est, pour être capable de coudre. C'est là, ça y est, remarqué que Wilson, lui-même, il a une âme sous lui. Monsieur, il a un frein de couteau, il serre le couteau, hein? Tout le docteur prend soin de ça. Il n'y a pas de remarquer si monsieur lui-même a des armes sous lui. C'est pendant qu'il prend monter ensemble avec lui dans le deuxième étage pour faire réparation de tendon qui cassé, qui coupé dans le col et à cause de blessure. C'est là que le docteur vient remarquer que tout lui-même a des couteaux. Et c'est dans le moment où il est capable de prendre un couteau, madame, monsieur, parce que tout ça que nous regardons dans la vidéo, ça. Eh bien, c'est madame, monsieur, lui-même encore, qui s'est baronné. Sa femme dit, ouais, depuis dimanche, il était supposé faire en prison. Pour ça que vous faites. Tout goût, mais tout ça que nous sommes regardés dans la vidéo, c'est madame, monsieur. Eh bien, dans le moment que le docteur prend couteau, eh bien, madame, c'est madame ni qui levait tout paquet de bagaille qui nous a tout goût, mais, et m'entendez, je vais permettre de nous entendre. Et directeur police et pays Saint-Domingue. Porte-parole et la police dans pays Saint-Domingue, Diego Pesqueira. Et me permettre tout temps de tout et directeur l'hôpital là. Et directeur l'hôpital là relé et puis devant ma bonne et non, lui même me permettre tout temps de cap explication ça passé dans l'hôpital là et nous pas le temps de porte-parole là qui m'a et monsieur d'abord plus capable remettre parce que gagne la police et mais qui rapportait hier lundi
agent investigation a fait gros travail et bien pour capable capturer pour capable y a cherché pour capable capturer et coupe haïtien ça qui impliqué dans un incident qui gagne la donne attaque ak menace parce que yo menacé et docteur dans salle urgence là yo menacé et personnel médical et ben qui tape travail dans zone urgence l'hôpital et docteur Dario Contreras qui trouvait le Santo Domingo Est. Et ben c'est dans moment ça yo même dit et yo voyé toilette sous et docteur parce que l'a suivre plusieurs vidéos et ouais gon bagay yo voyé et mais sou yon nan et docteur yo et yo t'a présumé que c'est toilette m'pa konn kote yo jwenn toilette parce que gen yon côté m'ap tande yon explication li passé maintenant d'elle m'pa konn c'est dans moment ça li toilette li prend toute la pile voye sou nous m'pa konn mais c'est m'tande y a parlé de ça nan toute média en République dominicaine mais nan vidéo li pas belle parce tellement vite nous pa konn. Est-ce que c'est vrai qu'ils sont barrés toilettes là? Mais dans une déclaration directeur de santé à docteur César Roque, il fait qu'on est après les fin recevoir les patients et puis les admettre dans zone et triage là, et ben lui même ensemble avec madame, il commence une attaque contre personnel médical là avec infirmière et mais qui tabale et servicio à cause frein couteau. Et bien que vous remarquez, dans le métro, ça, même couteau côté l'étape goumé, et bien c'est avec même couteau ça, il rentre en dedans et l'hôpital là. Et bien, pour le permettre d'entendre, mesdames et messieurs, premièrement, porte-parole, la police là, et messieurs, dames, pour capable retourner, pour capable remettre tête à la police, et parce que et l'hôpital là, pour l'hôpital a déjà porté plainte, et pour yo, et puis nous pas attendre. Et directeur et l'hôpital là et c'est ça et lui même qui parle explication sur ça qui passé à ensuite. Mira, nosotros primero condenamos esta agresión contra el personal médico y de enfermería de este hospital. Ya el director del mismo, Darío Contreras, el doctor César Roque, pues ha condenado también esta acción y ha notificado a las autoridades policiales quienes a través de los organismos investigativos están detrás de esta pareja de nacionales haitianos quienes, como se pudo captar en un video, pues luego de llegar a este centro de salud y ser atendido por circunstancias que están bajo investigación, agredieron, incluso el señor portaba un arma blanca. La Policía Nacional está detrás de estas dos personas que, reiteramos, hasta el momento son de nacionalidad haitiana. Y queremos exhortarles a ambos que se entreguen por la vía que entiendan pertinente, ya que la dirección del hospital Darío Contreras va a entablar acusaciones en contra de estos. ¿Hubo algún tipo de herida o lesión al personal médico? Estamos, esta investigación está en una fase inicial, estamos en este momento haciendo contacto con el doctor Roque y todo el personal de salud para ultimar detalles. Hasta el momento no tenemos esos reportes de que hayan personas lastimadas, pero el simple hecho de la agresión contra un personal médico de salud que gentilmente y cumpliendo su rol está atendiendo allí, pues se le prestó la debida atención. Estas personas aprovecharon que llegó una situación de suma emergencia para escapar de un lugar donde lo tenían bajo custodia. Eso ocurrió, estoy viendo el video, eso ocurrió ayer a las 3 de, a las 4 de la tarde, nuestra emergencia en el hospital. Un nacional haitiano de 28 años de edad, nombrado Wilson Gabriel, en compañía de su esposa, llegó en crisis de agitación psicomotriz, fruto de una riña donde recibió una estocada en el antebrazo izquierdo. Fue debidamente protocolizado, canalizado y estudio de imágenes. Cuando se procedía a llevar a quirófano, se tornó belicoso porque nos dimos cuenta que estaba armado con un puñal, el cual se lo pasó. Sí, esta discusión se armó ante el subdirector del hospital, Rodríguez Ravelo. La agresión fue al nuestro subdirector,
Okay. Lo que sale en el video es cuando uno de los médicos está tratando de desarmar la esposa con el puñal en cuestión. Ok, doctor, ¿cómo se determina que él, siendo atendido en el hospital, tenía un arma blanca? Quizás fue por algún descuido de la seguridad. ¿Cómo podemos determinar esto, doctor? No se dio cuenta porque lo tenía escondido en la parte de atrás. No era un puñal largo, era pequeño, de unos 6 pulgadas. Sí, pero lo tuvo escondido todo el tiempo. Okay. Doctor Roque, buenas tardes. Ivonne Ferreira de este lado. ¿Cómo está usted, doctor? Hola, Ivonne. ¿Cómo está? Placer para mí. Igual, doctor. Doctor, esa es una situación que un poquito como que se había erradicado, pero que no es nueva. Hubo un tiempo en que se veía con mucha facilidad las agresiones a los médicos. En este caso involucra a un haitiano, en otros casos también involucraba a dominicanos. ¿Qué ha pasado ahora? Porque eso más o menos se había erradicado. Bueno, lo que sí es una realidad, el número de accidentados ha subido casi un 20% este año. Para tal motivo, el Servicio Nacional de Salud ha reforzado la seguridad de nuestro hospital, inclusive con miembros de la Policía Nacional de parte del DICRIM. Ok, tengo una pregunta. Ajá. Doctor, entonces era que iban a hacer imagenología, ¿verdad? Ya la tenía hecha. Él estaba en lista para subir a quirófano a repararle los tendones. Oh. Ok. ¿Ese nacional tenía documento, indocumentado? ¿Cuál es la situación migratoria? No sabría decirle, pero sí que se llama Wilson Gabriel, de 28 años. ¿Ese es el nombre que le ponen? Fueron detenidos. Y aprovechó que llegó una ambulancia al 911 con un accidente automovilístico que llegó ahí, procedieron y se escaparon. Doctor, ¿cómo se subsana esa situación para que no se vuelva a repetir? Porque vuelvo y le digo, ya era algo que no ocurría con tanta frecuencia y que involucraba a dominicanos. Hoy nos ruborizamos porque es haitiano y qué mal. Pero ocurría también... ¿Qué debe hacerse en el hospital para que estas situaciones tan engorrosas y que ponen en peligro a los médicos y personal paramédico no ocurra? Me quedó una pregunta, que eran dos, doctor. La otra pregunta. Sí, porque yo tenía dos preguntas. Ya de por sí, el coronel Heredia, jefe de seguridad, y tomó notas y datos en torno al asunto para reforzar la seguridad lo más que se pueda.